Sur l'ensemble des collectivités territoriales de la Guinée, des délégations spéciales seront installées dans les prochaines semaines. Une volonté du gouvernement de la transition, motivée par l'expiration des mandats des élus locaux en fonction depuis 2018. Les démarches administratives ont déjà pris forme, avec notamment la constitution et l'acheminement des listes de toutes les collectivités. Aujourd'hui, nous savons que cette transition, dans son volet politique et de manière initiale, va commencer par l'organisation d'un référendum constitutionnel pour une question d'implication des délégations spéciales qui pourraient favoriser une sorte de neutralité dans la conduite des affaires politiques de la transition. Il va de soi qu'on fasse recours à ces délégations spéciales. La question de mise en place des délégations spéciales divise les acteurs de la classe politique en Guinée. Le gouvernement dispose des manœuvres pour mettre en place des délégations spéciales, défendre les partisans du pouvoir. Pendant ce temps, des acteurs de la classe politique comme le RPG, l'ancien parti au pouvoir, estiment que cette volonté du pouvoir viole le code révisé des collectivités locales en Guinée. Le gouvernement est dans l'impossibilité totale d'organiser des prochaines élections communales. Donc le ministre de l'administration du territoire, conformément à l'article 102 de ce code révisé, a le plein pouvoir de nommer des délégations spéciales à travers le pays. Si le gouvernement n'a pas de moyens ou est dans l'incapacité d'organiser des élections, les mairies et les conseillers restent en place jusqu'aux nouvelles élections. C'est ce que la loi dit. On ne peut aller à la délégation spéciale que lorsqu'il y a violation de certains principes. Autant les autorités semblent résolues à mettre en place ces délégations spéciales dans toutes les collectivités de la Guinée, autant les acteurs politiques sont déterminés à s'opposer à la démarche de la junte. Ces derniers estiment qu'il s'agit d'une manœuvre du pouvoir pour s'assurer le contrôle absolu sur ces entités locales à des fins non avouables.